Anamono kama, kani moye.
Jésus va te guérir. Amen. Quoi ça? Amen. Si on a mieux, si on a
Qui es-tu? Qui es-tu? Tu n'attends pas? Parlez, Lida. Tu m'en prouves pas. Qui es-tu? Toi qui possèdes sa vie. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Dis-moi ce que tu as gâché dans sa vie. Oui, dis-moi. 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 Tu es bobo ou bien? Un démon sonnier. Toi, pareil. On va tous voir les démons. On va parler au nom de Jésus. Ce corps ne sera plus ton habitation. Ce corps sera désormais le temple du Saint-Esprit. Je t'adore au nom de Jésus. Donne-moi ton nom. Qui es-tu? Toi qui possèdes ce corps. Qui es-tu? Oh, il est là-bas. Elle dit quoi? Ton nom? Nagnino. Ton nom? Nagnino. Toi qui possèdes sa vie. Bon, comment vous pouvez? Il fait qu'elle n'avance pas. Donne-moi ton nom. Nagnino. Qu'est-ce que tu as caché? Qu'est-ce que tu as caché dans sa vie? Il t'a pas eu. Qu'est-ce que tu as détruit? Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? L'heure a sonné pour que tu libères sa vie. La Bible déclare que le fils est Dieu. Elle t'a paru en train de détruire les soeurs du gars. Elle appartient désormais à Jésus. Elle appartient à Jésus. Tu vas me lâcher sa vie. C'est un homme. Qu'est-ce que tu as caché dans cette vie? Qu'est-ce que tu as détruit? Il était où là? On ne pouvait même. Qu'est-ce que tu as caché dans sa vie? Il était où le là? Tu vas parler, libérer ce corps. Il est pas les gens pour un côté. Parce qu'elle a maintenant une grand-mère, c'est Jésus. En cabétien, en calorant, Jésus. Tu vas libérer sa vie. Il ne pouvait pas dire. Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Qu'est-ce que tu as caché dans sa vie? J'étais où là? Je mets le feu sur toi. Je te le La Bible dit que Luc 10, verset 19, il ne donne pas le pouvoir de marcher sur les démons. Oh, il y a des démons. Les démons ne peuvent pas le menacer. Donc, il est venu ministère de pouvoir sur lui. C'est pour ça que Jésus a monté la croix. Non, je dis pas comment il. Jésus a monté la croix pour arracher à Satan son pouvoir. Ton lieu, c'est pourquoi. La fin mystique peut déracer le nom de Dieu. La fin sorcière qui peut. Elle est en véritable loi de Dieu. Non, elle est d'accord. Non, ça n'existe pas. Il est pour rien. Nous avons le pouvoir sur eux. À grand côté, dis amen avec moi. Amen. Il va lâcher sa vie. Le colonier. Attends. Non. Mais là. Le colonier. Personne nous distrait. Non, tu vas partir. Il est venu. Elle vient d'Italie. Elle est venue spécialement pour sa délivrance et tout parti. Oh, il dit, il dit bon. Oh, Italie. Ouais, elle vient d'Italie. Italie, non. Lâche-la. Bien bon. M'attends. Va acheter. Bien bon. Lâche-la. Bien bon. Lâche-la. Quand vous vivez avec un esprit, non, on va dire que tout ce que vous touchez, ça marche pas. Ah, mais non, papa, mais pourquoi là? Vous avez des relations qui ne bougent pas, ça marche pas. Oui, mais papa, il y a un esprit qui vit en vous, qui vous contrôle. Pas que le démon n'est pas chassé. Là, tu vas dire qu'il vous sera plus difficile. Parce que, non, d'accord. Lâche-la. Je peux bon. M'attends. Non, la chapitre. Votre ouais, problème. Jésus la guérit maintenant. Je dis de mais le fils. Mais le fils. Voilà, la chapitre. Je peux bon. Il va libérer sa et vie. Dire, c'est un il a vous dit. Il va quitter sa vie. Et le premier il va quitter sa vie. Le premier lâche-la. Bien bon. Lâche-la. Bien bon. Le fils. Que le cocon. Fils. Que le cocon. Feu. Que le
Tu ne vas plus jamais contrôler ses finances. Alexis, ses finances, quand il a mis ses finances, c'est quand on a continué. Je t'entends de libérer sa vie professionnelle au nom de Jésus. Et lâche-la au nom de Jésus. C'est un ordre. Il a cousu. Papa. Levez. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Feu. Tu vas partir. Ennemi. Feu. La puissance de Dieu. La grande tête. La puissance de Dieu. La grande tête. Désormais, maître et contrôle de sa vie. L'Esprit de Dieu contrôle désormais sa vie. L'Esprit de Dieu contrôle désormais sa vie. Le mauvais esprit. Si on commence à payer, tu vas tomber. Si tu tombes la veille, on C'est comme ça que les démons allaient se manifester. La veille blanche va passer chez les hommes. Lâche-la. C'est qui décide deux mois après un bon boulot. Oh, parce que nous sommes un réveil. Les parents du prophète. Parce que pour que Dieu agisse dans ta vie, pas que le prophète. Ils ont dit quoi? Pour que Dieu descende pour agir. La parole est une sémence. Et le boulot n'est pas vraiment. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Lâche-la. Lâche-la. Tu vas partir. Ne contentera plus ses finances. Tu m'attends. Jésus-Christ est désormais maire de cette vie. Ok. Ceux qui mangent la bouche là. C'est le bébé là. Vous voyez, il voit ta mère en toi. Et que non, au moment. Non, la dame, c'est le bébé. Vous voyez, moi, ça. Bizarre. Oui, canopé. Il dit chaque fois. Il est dans la sorcellerie là-bas. Regarde-moi. Je n'aime pas ce que tu fais dans ce corps. Tu m'entends? Non. Le fait c'est quoi? Feu! 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 Lâche ça! Feu! Les gars, je parle de Dieu.
Réfléchis-toi. C'est comme ça ici, bonne arrivée. On a toutes sortes de personnes ici. Les personnes qu'on vient de l'autre côté, on appelle les fous. Donc on est arrivé. C'est un son de délivrance.